503 oui, oui, c'est bon. Heureux pour servir la Côte d'Ivoire, tu nous quittes. Nous sommes malheureux. Tout le monde. Tout le monde en pleure. Mais on ne t'oubliera jamais, jamais ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire. Et au nom de ce que tu as fait depuis toujours, on sera tous ensemble. Rassembler pour que le RHDP gagne et le RHDP gagnera. Nous vaincrons pour Amadou. Pour Amadou, nous vaincrons. Gracias.
ça peut nous faire une prière d'abord. Après, ça va. Une partie à finale. Donc, comme le premier ministre a été un acte, quelqu'un qui a été étranger, la mec ne s'appelle pas un acte. Ce qui a compris, c'est le premier ministre. Le premier ministre a compris, c'est le premier ministre. Donc, c'est un nom important sur Dieu. Donc, nous allons faire la message là. Voilà le monde. Pardon. Les Ivoiriens sont venus rendre hommage à l'AGC, au lion qui est tombé, à les musulmans. Les prêtres sont tous venus pour rendre hommage. On attend l'arrivée de l'ambassadeur tout à l'heure qui va venir les saluer. Vous pouvez faire comme ça. Voilà. Il y a le président, il y a le délégué général de France, Ndako, qui est là. Il y a le DEC Touré, Diane, qui est là aussi. Ah oui, il y a l'ambassadeur qui arrive. L'ambassadeur qui arrive pour. L'ambassadeur, M. Panama Nguita, est le premier conseiller qui arrive. L'ambassadeur. Non, il n'y a pas le temps.
symbolique qui représente notre Côte d'Ivoire. Et nous sommes en deuil. Notre Premier ministre, Son Excellence Amadou Gon Coulibaly, nous a quittés hier. Et nous sommes venus ici pour lui rendre hommage devant ce lieu symbolique qui est l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et nous ne pouvons pas nous déplacer sans vous prévenir et vous demander la permission d'utiliser ce lieu parce que vous êtes le garant et le représentant du président de la République. Nous vous remercions et comme j'imagine, vous êtes aussi très touché parce que vous l'avez pratiqué en tant que ministre et nous partageons aussi votre Monsieur le sénateur, chers parents, je vais vous remercier au nom du président de la République pour ce geste fraternel et patriotique que vous venez de poser ce matin en venant déposer une gerbe et en rendant hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Votre douleur est grande, d'autant plus grande qu'il y a une semaine, pareil, nous étions avec lui à l'aéroport de Bourget pour l'accompagner pour rejoindre notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce même jeudi, il a été reçu par le chef d'État, son épouse et l'ensemble des hautes autorités de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, un bon travailleur, un grand travailleur, a immédiatement repris sa place auprès du président. Il a repris le travail. Et hier, il a assisté, participé au Conseil des ministres. À l'issue de quoi, la grande nouvelle, la triste nouvelle est tombée et nous a quittés. Il est mort au travail, il est mort en servant son pays, comme l'a dit le président Akoubou, dans le message qu'il a adressé à la nation pour annoncer le décès de M. le Premier ministre. Amadou Gon laisse le modèle d'un haut cadre, modèle de travail et de serviteur de la nation. Nous transmettrons votre message au président de la République et ensemble nous vous souhaitons aussi vos condoléances. Nous restons à l'écoute d'Abidjan pour le programme des obsèques et je sais compter sur vous pour que nous ici en France, nous puissions pleinement des soucis à l'hommage de la nation à Amadou Gon Coulibaly. Merci à vous tous et que Dieu nous protège. Merci beaucoup. Merci. Le message de l'ambassadeur auprès de tous ceux qui sont venus rendre hommage à la GC, le lion qui est parti. Voilà, toutes les femmes, toute la diaspora pleure, toute la diaspora pleure parce que le lion est parti. Ceux qui veulent rendre hommage, il viendra toujours de poser une gerbe. À toute la population, ils sont tous là pour rendre hommage. D'accord. Tous venus pour rendre hommage. Ils sont tous venus pour rendre hommage au lion et à toute la diaspora. Et à toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Nous sommes devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et nous sommes devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Où est le monde qui est venu se vraiment rendre un dernier hommage à Son Excellence le Lion. Le lion est mort. La Côte d'Ivoire reste encore debout. Voilà, juste pour vous rappeler que le lion est mort, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il est encore dans le cœur des Ivoiriens. Voilà, les Ivoiriens sont venus massivement pour rendre honneur au lion, au lion,
Odion. Voilà. Là, c'est une photo de famille. Okay. Avec tous les responsables politiques, c'est-à-dire le RHDP, avec M. Nidako et M. Tidiane, et les imams qui sont là pour rendre hommage. Ils sont venus rendre hommage. Grand, aux bâtisseurs et à la Côte d'Ivoire tout entier. Merci, merci, merci. La Côte d'Ivoire en pleurs. La diaspora en pleurs. Le lien est mort. Le lien est parti. Il a laissé un lion. Il a laissé tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qui l'ont adoré et tous ceux qui l'ont vraiment qui ont travaillé avec lui. On a vu l'ambassadeur Bandama Guétanco venir rendre un hommage à la nation en attendant le message de Donald. Merci encore d'avoir suivi sur la voie de la diaspora. Ce moment, le martyr de Lyon, du Corobo, qui est parti. Il est parti. La Côte d'Ivoire demeure. La Côte d'Ivoire demeure. Il est parti, mais la Côte d'Ivoire demeure. Vraiment, un hommage du RHDP France. Un hommage à toute la population. Vous avez les dignitaires du RHDP France qui sont là. Voilà. Vous avez tous là qui sont venus vraiment rendre hommage devant l'ambassadeur. Voilà. Merci encore de suivre ce moment. Monsieur, je le connais, je me dis pas mal, fais ma photo. Merci encore de suivre ce moment. Au moment inoubliable avec toute la diaspora. Réunis devant la ambassade de Côte d'Ivoire. Merci. Oui, c'est bon. Merci et à très bientôt. À très 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 bientôt. Merci. Et à très bientôt. Merci.